là. Un petit tour dans les airs. On s'envole vite, dingue. Alors comment ça marche concrètement? Alors très simplement, ouais. C'est du propane, donc il passe à l'intérieur des tuyaux. Il y a une petite valve qui est là. Vous avez un volume qui fait 3000 m3 là au-dessus de nous. Donc au-dessus de nous là. Voilà. D'accord. On remplit l'air chaud à 90, entre 90 et 110 degrés. Dès qu'on a dépassé les 90 degrés, on commence à s'élever. C'est super impressionnant parce que... C'est super impressionnant. Ah, c'est comme un balcon, mais sans les murs derrière. C'est génial. Alors là-bas... Oui, il y a l'aqueduc. Voilà, c'est super. Juste derrière à gauche. C'est magnifique. Hein. Et vous pouvez aller n'importe où. En France, vous pouvez pratiquement voler partout, mis à part sur les bords de mer, où là, vous avez une aérologie très particulière, vous avez beaucoup de vent. Vous avez jamais eu un amoureux malade? Non. Non. Non, non, les amoureux sont jamais malades. Ils sont malades d'amour. Ah. On a beaucoup de déclarations par une montgolfière. C'est vrai? Ah, les demandes en mariage, ça... Des demandes en mariage dans une montgolfière? Ah oui, les demandes en mariage, c'est extraordinaire. C'est chouette. On va se faire une petite approche sur le champ là-bas. D'accord. Vous allez voir, on va redescendre au ras du sol. L'avantage, c'est que la montgolfière, vous pouvez la maîtriser à 5 cm du sol. On n'a ni l'impression de décoller, ni l'impression d'atterrir. Exactement. Avec une montgolfière. C'est incroyable. On est tout prêt, tout prêt, tout prêt. Et atterrissage en douceur. Alors, attention, en douceur. Hop là, attention. Attention. Ouais, attention. Effectivement, c'est tout en douceur. Presque. Presque en douceur.